L'équipe malienne tenait vraiment à faire une bonne entrée de compétition. Elle atomise dans son premier match la Guinée-Conakry avec une agressivité remarquable dès les premiers quart-temps. On a manqué d'agressivité, ils étaient beaucoup plus agressifs que nous. Nos jeunes ont manqué d'expérience, c'est leur première compétition. Donc ils ont eu le trac dès au début, on a tout fait en tant qu'entraîneur de les remonter psychologiquement pendant leur première, c'est leur première compétition internationale, de leur remonter le moral, mais vous savez, c'est pas facile quand c'est la première fois. Une équipe guinéenne qui bouge souvent certes dans le jeu, mais qui n'avance pas. Pour leur second match, les Aigles récidivent face à l'Ouganda avec un score de 55-112. Cette victoire, d'abord, ça nous réconforte en entame de jeu. Mais contrairement à ce que les gens pensent, ça a été facile. Non, loin de là. Seulement, mes gars n'ont pas lâché. Nous, les enfants étaient beaucoup plus engagés. Ils étaient beaucoup physiquement pris en jambe. Ils ont été tactiquement très disciplinés. Et ce qui explique ce score. Pays hôte, le Mali n'a qu'un seul but, remporter la Coupe.